Nous sommes dans la salle où a lieu, où ont lieu les dîners des conseils européens, dîners des chefs d'État et de gouvernement. Et donc, ça leur permet d'avoir une plus grande intimité, bien qu'à 27, plus le président de la Commission, plus le secrétaire général ou représentant du Conseil, ce n'est pas vraiment un dîner intime. Mais enfin, ça leur permet quand même, entre eux, de continuer les discussions et d'essayer de trancher les questions qui seraient restées ouvertes après leur réunion de travail. C'est quand même probablement un endroit où il y a à certains moments de véritables tensions, parce que finalement, ils terminent leur réunion du premier jour du Conseil européen. Ils ont parlé de toute une série de questions, les questions qui sont à l'ordre du jour, et peut-être que les points les plus délicats, ils essayent de les résoudre ici. Ils sont seuls, ils sont entre eux. Donc ça veut dire que dans un certain nombre de cas, quand il reste des problèmes ouverts, quand ils ont des divergences qu'ils n'ont pas pu surmonter, finalement le fait d'être entre eux leur permet peut-être encore plus de possibilités d'esprit de compromis et de recherche de solutions que peut-être dans un groupe plus large, ils n'auraient pas pu trouver aussi facilement. C'est une salle où il y a moyen de parler les 22 langues que l'on utilise habituellement dans l'Union européenne et même des langues supplémentaires si on le souhaite, si on a des invités qui viennent de l'extérieur. Alors que par exemple, les Nations unies travaillent avec 6 langues. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait caractéristique qui explique la forme, l'ampleur et l'équipement exceptionnel de cette salle. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent dans le monde de cette salle, à cause de son équipement et de sa disposition. Si vous allez vers des organisations internationales qui ont un grand nombre d'États membres, alors vous avez des formes d'hémicycle avec des gens qui sont en rang les uns derrière les autres. Ici, ça reste une table de travail. Voilà, je suis maintenant assis en fait dans le siège du président du Conseil. Et vous voyez que je suis à très très grande distance de vous, de l'autre côté de la salle. Que vous voyez que devant chaque personne, il y a un petit écran, parce que sinon on ne voit plus au moins l'expression des personnes, des délégués qui sont en face de soi. Parce que sinon, body language, aucun langage du corps, aucune expression ne passe à une telle distance. Sont présents dans cette salle les chefs d'État ou de gouvernement, selon l'organisation de chaque État membre, les ministres des Affaires étrangères, mais autour d'eux, évidemment, il y a toute une délégation, et ils ont des bureaux à un autre étage de cet immeuble, plus évidemment tout l'appui logistique que peut donner le secrétariat général du Conseil. Et d'ailleurs, à côté de la présidence, siège le secrétaire général aux représentants, M. Solana. Il y a quelques personnes en second rang de la présidence et aussi des personnes qui prennent note, parce qu'il n'y a pas de retransmission sonore, si vous voulez, de ce qui se passe dans cette salle, cela pour protéger une certaine confidentialité des travaux et pour surtout créer le climat de confiance qui est nécessaire dans des débats difficiles. Oui. Alors ici, la décision a été prise de prendre uniquement, dans cette photo de famille, les chefs d'État et de gouvernement. Vous voyez ici, sur cette feuille, la disposition qui a été retenue, mais qui suit un ordre protocolaire. Donc au centre, évidemment, vous avez le président français, le président Sarkozy, son premier ministre à côté de lui, et les autres présidents d'États membres qui participent à la réunion. C'est le cas pour la Lituanie, c'est le cas pour Chypre et c'est le cas pour la Roumanie. Puis vous avez les présidents de 2 institutions qui sont présentes, c'est-à-dire le président du Parlement européen. En fait, il ne participe pas au Conseil européen, mais il a une rencontre au début du Conseil européen avec les membres du Conseil européen.
et le président de la Commission européenne. Et puis vous avez, comme dans les salles de réunion habituellement, une disposition qui alterne les futures présidences. Donc vous avez la future présidence de la République tchèque, et puis vous avez la future présidence suédoise, et ce sont des premiers ministres à partir de là. Et puis vous avez l'Espagne, et puis vous avez la Belgique, et on continue comme ça, et puis quand le premier rang est rempli, on va évidemment vers le deuxième rang. Vous avez vu que Mendelssohn a été remplacé par une baronesse. Oui, oui. Oui. Mais bon, je... On va te remarquer, Christine. C'était pas le but. Votre famille aura lieu donc là à 19h30. Évidemment, sont sur la photo, Monsieur Pottering. Mais avant cela, il y a une réunion, qui est une réunion dans bon. Vous m'arrêtez s'il y a des aspects que je ne... n'est pas bien compris. Donc il faut rester flexible à cet égard. Évidemment, s'il y a un briefing, qu'il arrivera plus tôt. Ça, je n'ai pas besoin, mais ça, j'en ai besoin. Nous sommes dans ce qu'on appelle, nous, la salle d'urgence. C'est en fait une grande salle qui ne sert que quand il y a soit des sommets, soit des réunions de Conseil des ministres, où sont tous les traducteurs du Conseil sont réunis. Donc il y a des petits îlots, vous verrez, pour chaque langue. Et à chaque table, vous avez 3 traducteurs pour les conseils européens et 2 secrétaires. On est obligé de réfléchir à chaque mot. Chaque mot dans la langue originale a vraiment été pesé, réfléchi. Et on doit faire vraiment attention de laisser un peu le... S'il y a un petit flou, il faut le laisser, si au contraire... Enfin, il faut vraiment peser chaque expression, chaque terme, et faire attention que ça ne puisse pas être interprété d'une manière différente suivant les langues. C'est ça le problème, c'est qu'il faut que chaque texte soit appliqué de la même façon et veuille dire la même chose dans toutes les langues. Entre l'anglais et le français, on est quand même habitué, même s'il y a des différences, on est habitué au... On en voit tellement passer, mais alors une langue qui est moins courante que le polonais, je me dis, tiens, bah, ah oui, attends, hop, ils ont pensé comme ça, donc ça veut dire, on est effectivement obligé de se mettre un peu dans la peau du rédacteur. Et ce qui est amusant, c'est parfois on a un texte en anglais et on a un peu de mal à le décortiquer, et finalement on s'aperçoit que c'est effectivement été écrit, mettons, par un Italien ou par un Espagnol. Alors quelqu'un qui parle espagnol dit, ah mais bien sûr, on voit que ouais, vraiment la manière de penser dans sa langue est différente. We are linked with the central coordination or a summit coordination who send us all the texts, but we are really linked with our colleagues because we always work together. It's not an individual creation, it's always work together with colleagues to check also to revise colleagues' translation. At the same time, it is also important that the text is understandable for the person who would read it. So our task is to remain faithful to the source text, and also make it possible for Latvian people to understand what was meant in the original text. And it's why we need to work together sometimes to find the best synonym, the best term. Sometimes you have new words that don't exist in Latvian language, so we need to find them. And in everyday life, we need to contact also some specialists in Latvia to find which terms they are using, and making sure that they are the same terms with the same meaning as in other member states as well. And thank you.
There are various handbooks which have been developed in collaboration between the police and security forces of the European Union dealing with exactly this topic, the security of major events, including, of course, the meetings of the European Council. Well, of course, there's a number of scenarios of which we have thought, and these scenarios have been developed in collaboration with our Belgian colleagues, but also with our foreign colleagues within the European Union, of course, and actually sometimes third states help us in this effort. Another actor in this whole is Europol, which provides us for every summit meeting with an analysis of risk. Because of the principle of protocol and immunities, it's the Security Office of the General Secretariat who's responsible on the inside for organizing the security, whereas the Belgians are responsible for it on the perimeter. But the interaction is so terribly important, and because of the chain of events between the outside and the inside, it has to be seamless, it has to be like a ballet. The known risks you manage during a summit, it's the ad hoc risk, the pertinent information which falls at a particular point which may cause you to make a decision. And the decision would be to inform the powers that be, inform them of our assessment, make a recommendation, and that recommendation might be indeed to cancel a summit, to cancel it, meaning to stop a summit, because cancelling means that you have cancelled it beforehand, but to stop a summit from going on and to make a recommendation to evacuate or for heads of states of government to leave an area which may become subject to an attack. But once again, that's a very far-fetched scenario, which I hope I will never have to face, but processes exist to deal with such an eventuality. Sécurité, bonjour. À mon avis, il y a quelqu'un qui vient passer aujourd'hui pour nettoyer en... C'est 02, CD02. Ouais, je vais aller voir. Keurig.